Et nous retrouvons cette heure de la miséricorde pour prier le chemin de croix avec Sainte Bernadette à Lourdes. Faisons un très beau signe de croix comme la dame l'a appris à Bernadette. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions avec le Père Peyramale Bernadette. Rumeur agrandie à l'ombre du silence, et ces bruits ont rampé comme des ronciers sauvages, sans âme, sans pitié, sans la moindre indulgence, en te traînant seul dans la boue de leur sillage. Je ne laisserai pas dire, ni t'atteindre, ni te salir. Je te laisserai pas seul. Moi, je te crois. Je ne laisserai pas faire, ni t'éteindre, ni te faire taire. Je te laisserai pas seul. Moi, je te crois. Je te crois comme tu vois, aveuglément. Je te vois comme tu vois, comme tu m'apprends. Je te crois comme tu vois, aveuglément. Je te vois comme tu vois, comme tu m'apprends. Le Tout-Puissant n'a jamais eu ton innocence. Ils affirment, ils jugent, ils condamnent les yeux bandés, sans douter, sans savoir ni voir les conséquences. Qui n'est qu'une enfant avec sa vérité. Je ne laisserai pas dire, ni t'atteindre, ni te salir. Je ne te laisserai pas seul. Moi, je te crois. Je te crois comme tu vois, aveuglément. Je te vois comme tu vois, comme tu m'apprends. Je te crois comme tu vois, aveuglément. Je te vois comme tu vois, comme tu m'apprends. Prière préparatoire. Sainte Bernadette, âme privilégiée de Notre-Dame de Lourdes, toute votre vie terrestre fut un calvaire, un martyr. Entre tous les saints, vous nous apprenez comment il faut souffrir. Dans vos souffrances, vous vous êtes attachée à Jésus crucifié comme à votre unique consolation. Quoique déjà gravement malade, vous avez voulu remercier la supérieure d'un pensionnat qui vous avait offert un grand crucifix.
Vous lui écriviez « Il y a longtemps que je désirais un grand crucifix pour mettre près de mon lit. » Aussi me suis-je écrié en le serrant et l'embrassant que ma mère avait été bien inspirée. Sainte Bernadette éclairait mon intelligence, fortifiait ma volonté, embrasait mon cœur. Tandis qu'avec vous et la Vierge douloureuse, je veux parcourir ce chemin de la croix. Ô Marie, prêtez-nous vos dispositions. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Matthieu. Or les grands prêtres et le Sanhédrin tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus en vue de le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent pas, bien que les faux témoins se fussent présentés en grand nombre. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent « Cet homme a dit, je puis détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Se levant alors, le grand prêtre lui dit « Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Sainte Bernadette, elle aussi, a dû faire le sacrifice de s'effacer à Lourdes, de disparaître afin que son sacrifice porte fruit dans l'œuvre de la rédemption. Elle quitta sa ville natale pour le couvent. La veille de son départ, elle se rendit à Massabielle, et à la vue de ce lieu béni, elle éclata en sanglots. Elle s'approcha du rocher au-dessus duquel se trouve la niche des apparitions. À différentes reprises, elle y colla ses lèvres, puis s'arracha à ces lieux bénis qu'elle ne devait plus revoir. Pendant 13 années passées au couvent, elle s'appuya sur le bâton de la croix pour gravir à pas lents son calvaire douloureux. C'est par ce chemin et par une mort cruelle qu'elle parvint au tabor de la perfection et de la canonisation. Sainte Bernadette, apprenez-nous à comprendre les leçons austères de la croix. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe. Or ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Sainte Bernadette porta toute sa vie la croix avec calme et joie pour sauver les pécheurs, comme Notre-Dame le lui avait demandé. Je suis plus heureuse avec mon Christ sur mon lit qu'une reine sur un trône, disait-elle. Souvent, elle montra son crucifix et dit « Celui-ci me suffit ». Et son oraison jaculatoire préférée était «
Ô mon Jésus, faites que je vous aime. Aimez-moi et ensuite crucifiez-moi tant qu'il vous plaira. Tout souffrir de la part des créatures pour Jésus, c'est aimer. Ô Jésus, s'écriait-elle, je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. Sainte Bernadette, donne-nous la force de dire aussi fiat, que votre volonté soit faite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Redisons avec Bernadette. Ô mon Jésus, faites que je vous aime. Aimez-moi, et ensuite crucifiez-moi tant qu'il vous plaira. Ô Jésus, je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. Amen. Amen. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre du prophète Isaïe. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Sainte Bernadette eut une lourde croix et souvent elle s'est écroulée sous le poids de la souffrance. Mais par le sacrement des malades qu'elle reçut 4 fois, elle retrouva la force de se relever. À la fin de sa vie, son état de santé devint lamentable. Souvent obligée de passer des nuits entières sur le bord de son lit parce qu'elle était oppressée et respirait difficilement, jamais elle ne prononça cette phrase. « Jésus, je suis fatiguée. » Quand on lui disait « Vous souffrez beaucoup, ma sœur ?» Elle répondait « Que voulez-vous ? La Sainte Vierge m'a dit que je ne serais pas heureuse en ce monde. Je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Sainte Bernadette, apprends-nous à ne jamais nous plaindre. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, faites que je vous aime, aimez-moi, et ensuite crucifiez-moi tant qu'il vous plaira. Ô Jésus, je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. Amen. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je fais couler vers elle la paix comme un fleuve,
et comme un torrent débordant la gloire des nations. Vous serez allaités, on vous portera sur la hanche, on vous caressera en vous tenant sur les genoux. Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À cette vue, votre cœur sera dans la joie. Sainte Bernadette rencontra aussi Marie, sa dame blanche, qui a été témoin de la vie douloureuse de sa petite privilégiée, à qui elle avait prédit une vie pénible en ce monde. Bernadette le savait et l'acceptait. Elle souffrait en victime expiatrice pour les pécheurs, pour le gros pécheur. Au jour et au moment les plus pénibles de sa vie, elle disait « Je vais par la pensée à la grotte de Lourdes faire mon pèlerinage. C'est cette bonne mère qui m'accompagne partout et toujours. Sa piété est toute mariale et le chapelet est toujours sa prière de prédilection. Sainte Bernadette, apprends-nous à donner à Marie une plus grande place dans notre vie. » Ô Marie, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie et afin que je ne lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste. Pour ma mère et ma reine, je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Ô mon Jésus, faites que je vous aime, aimez-moi et ensuite crucifiez-moi tant qu'il vous plaira. Ô Jésus, je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. Amen. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc. Quand ils emmenèrent Jésus, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Sainte Bernadette, Marie vous a choisi comme son instrument à Lourdes. Non pas qu'elle devait nous donner son message, mais parce qu'elle a bien voulu nous avertir au nom de son Fils et nous inviter à une plus grande vie eucharistique. Sainte Bernadette, après avoir gardé le lit durant 3 mois, écrivait à sa sœur « J'ai le bonheur de recevoir notre Seigneur dans mon pauvre cœur tout le temps de ma maladie. La croix devenait plus légère, les souffrances plus douces, quand je pensais que j'aurais la visite de Jésus et l'insigne faveur de le posséder dans mon cœur. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, faites que je vous aime, aimez-moi et ensuite crucifiez-moi tant qu'il vous plaira. Ô Jésus, je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. Amen. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe. Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduit, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Sainte Bernadette, tout comme Véronique, n'a pas eu de respect humain quand la loi de l'amour pour nos frères le lui demandait. Elle n'a pas eu peur de faire pénitence dans la boue jusqu'à en être traitée de folle. Ce geste étant incompris, Marie voulut nous l'apprendre par Bernadette. La Vierge s'est servie d'elle comme d'un pauvre instrument. Plus tard, Bernadette dira: la Vierge s'est servie de moi comme d'un balai. Le balai sert à enlever la poussière. Quand on a fini la besogne, on le met derrière la porte et il y reste. C'est mon cas. Sainte Bernadette, apprenez-nous à vaincre tout respect humain. Jésus, faites que je vous aime. Aimez-moi et ensuite crucifiez-moi tant qu'il vous plaira. Ô Jésus, je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. Amen. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe. Un court instant je t'avais délaissé, ému d'une immense pitié je vais t'unir à moi. Débordant de fureur un instant je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel j'ai eu pitié de toi, dit le Seigneur ton Rédempteur. Car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console. Sainte Bernadette, qui s'était offerte en victime pour les pécheurs, souffrait énormément. Mais lorsqu'elle regardait son Jésus crucifié, elle redisait souvent: « Jésus,
Je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. Elle qui a tant souffert dès l'âge de 6 ans d'une affection des bronches qui devint un asthme tenace au point qu'elle tombait dans des défaillances prolongées, écrivait dans ses notes intimes. Que le crucifix ne soit pas seulement sous vos yeux, sur ma poitrine, mais dans mon cœur, vivant en moi. Que je sois moi-même cette crucifiée vivante, transformée en lui par l'union de l'Eucharistie, par la méditation de sa vie, des sentiments les plus intimes de son cœur, attirant les âmes, non pas à moi mais à lui, du haut de cette croix où vivante son amour m'attache. Sainte Bernadette, apprends-nous à ne jamais nous replier sur nous-mêmes. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira, « Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. » Sainte Bernadette ne s'est pas arrêtée au privilège des apparitions que Notre-Dame daignait lui faire à elle seule. Bernadette a saisi le sens du message que l'Immaculée venait lui communiquer. Message de prière et de pénitence pour le monde entier. Elle interpréta ce divin avertissement de la mère du Sauveur en disant « Je dois faire pénitence pour mes péchés d'abord et pour les autres ensuite. À force de taper sur la bête, on finit par la dompter. Il faut que je devienne une grande sainte, mon Jésus le veut. » Elle devait, au cours des 5 dernières années de sa vie, exercer la plus grande et noble vocation, celle de victime pour l'expiation des fautes commises par les pécheurs. Sainte Bernadette, apprends-nous à mieux pratiquer la pénitence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 22. Et moi, ver et non pas homme, risé des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête. Qu'il s'en remette au Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le libère, puisqu'il l'aime. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as fait reposer sur sa poitrine. Sur toi je fus jeté au sortir des entrailles. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin. Proche est l'angoisse, point de secours. Sainte Bernadette eut les dernières années de sa vie tout le corps comme une grande plaie, au point qu'elle ne pouvait garder le lit et restait assise dans un fauteuil. Elle supportait tout cela sans se plaindre. Un jour, on vint lui faire une visite et on lui dit « Que faites-vous là, petite paresseuse ?» Elle répondit « Je fais mon emploi. » « Et lequel ?»« C'est d'être malade. » Il faut que je sois victime pour la rédemption du monde. » Elle s'efforça de plus en plus de ne voir que Jésus crucifié et souffrir en victime expiatrice. Que ne ferais-je pas pour les pécheurs ? Sainte Bernadette, apprends-nous à être auxiliaire de la rédemption par la prière et la souffrance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Ô mon Jésus, faites que je vous aime. Aimez-moi et ensuite crucifiez-moi tant qu'il vous plaira. Ô Jésus, je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Jean. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent quatre parts, une part pour chacun des soldats, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qu'il l'aura. » Afin que l'écriture fût accomplie, ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Sainte Bernadette aussi se dépouille de tout ce qu'elle était et possédait. « Je ne suis bonne à rien, disait-elle. Que voulez-vous que l'on fasse de moi ?» Quand elle était réprimandée, on subissait quelque humiliation, elle disait « Je viens de recevoir un bonbon. » Elle était pourtant la privilégiée du ciel et passait par de grandes humiliations. Au jour de sa prise d'habit, elle dit à ses sœurs, empruntant les paroles de l'imitation du Christ, « Je suis venue ici pour me cacher, je veux me faire oublier, être comptée pour rien.
Dépouillée de tout, elle s'attacha à son crucifix, comme à son unique consolateur. Et le montrant, elle dit « Celui-ci me suffit. » Sainte Bernadette, apprends-nous à vaincre toujours notre humeur, nos ressentiments. Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô mon Jésus, faites que je vous aime. Aimez-moi et ensuite crucifiez-moi tant qu'il vous plaira. Ô Jésus, je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. Amen. Amen. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Jean. Jésus sortit, portant sa croix, et vint au lieu-dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Sainte Bernadette, à la fin de sa vie, n'avait plus à son usage que trois images de piété. À l'exemple de Jésus, elle se dépouilla de tout et ne conserva que son crucifix. Le regardant et le baisant avec amour, elle ajoutait avec une humble résignation « Je suis comme lui ». Dans ses peines physiques ainsi que dans ses peines intérieures, les plus terribles, elle étendait les bras en croix comme Jésus et disait « Mon Jésus, je vous aime ». Sainte Bernadette, apprends-nous à être crucifiés comme Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, faites que je vous aime. Aimez-moi et ensuite crucifiez-moi tant qu'il vous plaira. Ô Jésus, je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. Amen. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici les paroles de Jésus. Femme, voici ton fils. Et au fils, il dit, voici ta mère. Puis il va dire, j'ai soif. Il dit encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et il dit encore, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et enfin, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Sainte Bernadette, ne trouvant personne à qui se confier sur la terre, se jette entre les bras de Notre-Dame de Lourdes. Ô Marie, ô Mère des douleurs, au pied de la croix, vous avez reçu le titre de notre mère. Je suis l'enfant de vos douleurs, l'enfant du calvaire. Ô Marie, ma tendre mère, voici votre enfant qui n'en peut plus. Ayez pitié de moi. Faites que je sois un jour au ciel avec vous. Vous qui avez vu et senti l'extrême désolation de votre cher fils, assistez-moi dans le temps de la mienne. C'est dans votre cœur que je viens déposer les angoisses de mon cœur, épuiser force et courage. Que je reste comme vous au pied de la croix. Sainte Bernadette, apprenez-nous à puiser la force en Jésus, pour tout souffrir pour le salut des âmes. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Jean. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Sainte Bernadette, qui aimiez tant la Sainte Vierge Notre-Dame de Lourdes, pendant vos nuits d'insomnie et de souffrance, vous égreniez votre rosaire, et toute votre vie ne fut qu'un long et lent martyre de cœur. Mais ce martyre de cœur ne fut rien comparé à une autre souffrance. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en cette vie, mais dans l'autre. Quelle douleur Marie a dû ressentir en vous voyant souffrir, anéantie ainsi pour elle, son fils et les pécheurs.
Mais quelle joie pour Marie et pour vous d'être restés fidèles sur le chemin du calvaire qui vous conduisit au tabord de la canonisation. Sainte Bernadette, apprenez-nous la fidélité dans les petites choses de notre vie. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, faites que je vous aime, aimez-moi et ensuite crucifiez-moi tant qu'il vous plaira. Ô Jésus, je ne sens plus ma croix quand je songe à la vôtre. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en toi. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Jean. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Sainte Bernadette, on a fréquemment cité une de vos pensées que mon âme devait retenir pour m'en faire une règle de vie. Mon divin Sauveur m'a donné de l'attrait pour une vie humble et cachée. Elle priait Jésus-Christ de ne la consoler qu'afin de la rendre plus capable de supporter pour le salut des pécheurs de plus cruelles douleurs. « Ô mon Jésus, s'écria-t-elle, ne me consolez qu'afin que je puisse souffrir davantage et persévérer jusqu'à la mort dans la souffrance. Glorifiez-vous dans ma misère, ô mon Jésus, unique refuge de mon âme. Souffrir pour compléter la passion de Jésus, pour devenir elle-même en quelque sorte un autre Christ, ce fut surtout à la fin de sa vie son idéal. Habituée maintenant à réprimer les moindres répugnances de la nature, elle s'écriait « Quelle folie que de se replier sur soi lorsque notre Seigneur nous demande la main pour la clouer. Désormais, plus je serai crucifiée, plus je me réjouirai. » Elle répétait souvent l'oraison jaculatoire. « Ô mon Jésus, je vous aime, crucifiez-moi tant qu'il vous plaira, pour m'attacher à autre chose qu'à lui crucifier. » Sainte Bernadette, apprends-nous à ne nous attacher qu'à Jésus-Christ crucifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dans l'espérance de la résurrection. Du psaume 131. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur ni de prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Mets ton espoir dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Le Christ est ressuscité des morts par sa mort et il a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux. Il a donné la vie, Maranatha. Le Christ est ressuscité des morts par sa mort et il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie, Maranatha. Sainte Bernadette, âme privilégiée de Notre-Dame de Lourdes, un de vos derniers gestes fut encore de saisir le crucifix, de le porter à vos lèvres et de baiser lentement les cinq plaies du Sauveur pour vous identifier davantage à Jésus crucifié. Un de vos derniers gestes fut aussi le signe de la croix, comme vous seul saviez le faire. Vos dernières paroles étaient « Mon Dieu, je vous aime ». Et comme pour demeurer jusqu'à la dernière seconde en son rôle d'expiatrice, celle qui a vu la Sainte Vierge expire après avoir soupiré par deux fois, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse, pauvre pécheresse. Sainte Bernadette, imprégnez profondément en mon âme vos exemples, afin qu'à mon tour, je puisse m'identifier au Christ Sauveur. Et que Dieu, dans l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et avec Sainte Bernadette, puisqu'elle nous l'a proposé et nous inviter à le vivre, demandant la grâce du détachement comme elle, avec sa prière que nous chantons. De la fleur qui se cueille, je choisis le parfum, du baiser qui m'est fait, le souffle que je ressens. Foule anonyme, le regard de chacun, de ce que l'on me donne, la main qui me le tend. Chemin
qui rend plus fort que ce qui nous en sépare. Et même du dénuement, savoir se détacher et ne pas s'en réjouir. Du plaisir de l'ultime vanité de ne rien posséder. Du froid qui me saisit, je retiens la douceur des mots qui s'entremêlent, le son de la prière, de la flamme des bougies, l'infini d'une lueur, de la nuit qui m'entoure, les sombres qui m'éclairent. Il y a de vraies richesses que de savoir s'en défaire et de plus belles faiblesses que de perdre ses repères. Et même du dénuement, savoir se détacher et ne pas s'en réjouir, se garder du plaisir. Vanité de ne rien posséder. Et même du dénuement, et même du dénuement, savoir se détacher, savoir se détacher, et ne pas s'en réjouir, et ne pas s'en réjouir. Du plaisir, se garder du plaisir, de l'ultime vanité, de ne rien posséder, de ne rien posséder, et même du dénuement.